Bien, nous allons démarrer ce webinaire. Pour commencer, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire de présentation des formations à l'endobiogénie organisées par l'IEMPI, Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative. Avant de démarrer, ou pour bien démarrer, eh bien, on va commencer par les présentations, parce qu'on a plein de monde ce soir avec nous. Alors, je vais commencer par, c'est pas très poli, je vais commencer par moi. Donc, je suis Maya Mongondry, j'ai le plaisir de diriger l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative, avec derrière moi toute une équipe de médecins, pharmaciens, professionnels. Et donc, parmi ces professionnels, nous avons ce soir avec nous le docteur Jean-Christophe Charrier, qui est médecin généraliste à La Rochelle. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir à tous. Et puis, nous avons également le docteur Reda Bouna, qui est chirurgien-dentiste sur Toulouse. Bonsoir, Reda. Bonsoir. Et puis, ce soir, nous avons l'occasion également d'accueillir trois professionnels, trois ex ou stagiaires actuels des formations de l'Institut d'endobiogénie. Donc, nous avons avec nous le docteur Yoni Benguigui, qui est médecin généraliste sur Briançon. Bonsoir, Yoni. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons également Charlotte Chautard, qui est médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation en Ariège, près de Toulouse et de Pamiers, je crois. Et puis, nous avons le plaisir également d'accueillir Clément Lévesque, qui est, lui, kinésithérapeute, infirmier, en cours de formation en ostéopathie et qui est donc basé à Bruxelles, en Belgique. Voilà pour les présentations. Bonsoir Clément. Oui. Alors, pour démarrer ce webinaire, quelques petits mots d'introduction sur les modalités et le fonctionnement de ce webinaire. On va être ensemble pour à peu près une heure et on va structurer notre présentation en trois parties. Une petite présentation de l'Institut qui va durer à peu près 5 minutes. Ensuite, on aura l'essentiel de la présentation qui va concerner l'endobiogénie et la présentation des formations avec l'intervention de nos trois professionnels qui viendront vous témoigner effectivement de leur vécu, de ce qui s'est passé pour eux sur ces formations, de ce que cela a apporté, de ce qu'ils y ont trouvé, de ce qu'ils n'y ont pas trouvé, de ce que ça a changé pour eux aussi dans leur pratique professionnelle. Et puis, on consacrera la dernière partie de notre réunion, de notre webinaire, aux questions-réponses. Donc, pour cela, comme nous sommes en format webinaire, les micros sont coupés. Donc, je vous invite à écrire vos questions au fil de l'eau dans la rubrique « Questions de Zoom » ou éventuellement dans le chat, mais ce sera plus facile pour nous de les traiter sur la partie « Questions ». Et puis, vous aurez également un mail qui vous sera adressé avec le replay possible sous 48 à 72 heures, puisque ce webinaire est enregistré. Voilà pour les premiers éléments et les premières modalités. Alors, quelques mots sur l'IEMPI. Donc, l'Institut d'endobiogénie, c'est une association loi 1901 qui a été créée fin 2017. Par un collectif de professionnels de santé, essentiellement composé de médecins, pharmaciens, mais également par un collectif de patients qui tous avaient à cœur de promouvoir une approche plus intégrée et personnalisée de la médecine que l'on appelle l'endobiogénie. Alors, l'endobiogénie, je vais faire rapide sur cette partie-là puisque le docteur Charrier aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus en détail. C'est une approche médicale qui a été fondée par le docteur Christian Durafour il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Et cette approche prend en compte la fonctionnalité physiologique d'un patient dans son unicité et sa globalité. On va revenir sur toutes ces terminologies et ce qu'on met derrière. C'est une approche qui va considérer l'ensemble des relations interdynamiques des différents systèmes qui constituent un individu. Elle est pratiquée, cette approche médicale, par des professionnels de santé assermentés. On aura aussi l'occasion d'y revenir. C'est une approche qui s'appuie sur les données de la physiologie et de la biologie intégrative et qui va utiliser comme principal outil thérapeutique la plante médicinale à dose physiologique et les produits d'extraction naturelle.
L'Institut d'endobiogénie va avoir deux principales missions. Sa première mission, c'est d'augmenter le nombre de professionnels de santé qui pratiquent cette approche intégrative de la médecine. Comment ça se traduit, augmenter le nombre de professionnels de santé? Bien, en organisant de la formation et des temps de sensibilisation conférences. L'Institut d'endobiogénie est organisme de formation déclaré auprès de la DREET sous l'ex-direct Nouvelle-Aquitaine. On est certifié DataDoc, on est en cours d'obtention d'une certification Calliope. Et donc, c'est notre cœur de métier aujourd'hui au niveau de l'Institut pour d'organiser des formations à l'endobiogénie. On a quatre grandes formations à l'endobiogénie. J'aurai l'occasion d'y revenir en fin de partie, mais je vous en parle quand même en introduction. Historiquement, l'Institut n'organisait de la formation qu'à destination des médecins, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires. C'est la formation initiale, puisque l'endobiogénie reste avant tout une approche médicale. Notre cœur de métier, c'est de former des médecins avant tout. Avec l'ensemble de l'équipe, nous avons fait le choix il y a quelques années maintenant, même quelques mois pour certaines formations, d'élargir progressivement la formation à d'autres professionnels dans une logique de création de réseaux, de communautés et puis de pluridisciplinarité aussi, puisque le principe même de l'endobiogénie, c'est de pouvoir allier les différentes disciplines pour prendre en charge aussi un patient, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'est pas sur des réponses standardisées et l'intérêt, c'était aussi de pouvoir élargir le nombre de professionnels formés et les disciplines des personnes formées. Donc depuis maintenant un an et demi, nous organisons une formation spécifique dédiée aux professionnels paramédicaux et aux ostéopathes, en plus de celle qui est spécifique aux médecins. Nous organisons également une formation dédiée aux chirurgiens dentistes et aux hygiénistes dentaires. Et puis, nous avons plus récemment, au mois de septembre, ouvert une formation spécifique pour les professionnels du bien-être et donc toutes les professions de santé dites non réglementées. Donc, je reviendrai plus en détail sur tout ça. Mais c'était important pour nous de pouvoir développer ces formations tout en conservant quand même une entrée spécifique pour chaque type de professionnel, puisque vous n'avez pas les mêmes métiers, il n'y a pas les mêmes prérequis, ni les mêmes besoins. Donc nos formations sont aussi du coup différentes et adaptées. La troisième mission sur la partie professionnelle, eh bien, c'est d'accompagner l'installation, notamment l'installation des médecins, puisque lorsqu'on décide de s'installer en endobiogénie, on se heurte à tout un arsenal juridique, des changements de secteur, des choses comme ça. Donc l'Institut a aussi pour mission d'accompagner et de guider sur cette phase d'installation. La deuxième grande mission de l'IEMPI, eh bien, c'est la partie patient, qui consiste à développer l'éducation à la santé familiale sous l'angle de l'approche endobiogénique, puisque quel que soit l'excellence du professionnel qui accompagne son patient, si le patient ne se prend pas en charge et ne se responsabilise pas dans sa santé, le projet thérapeutique aura peu de chances d'aboutir. Donc en endobiogénie, cette responsabilisation, elle est encore peut-être plus importante qu'ailleurs. L'Institut organise régulièrement des temps d'éducation à la santé à travers des conférences, des webinaires également d'information. On organise en général un par mois. Le prochain sera au mois de décembre sur les bonnes habitudes alimentaires de l'hiver. Le dernier était sur le sommeil il y a quelques jours. Ce temps de sensibilisation et d'éducation à la santé familiale est quelque chose de fondamental également dans les missions de l'Institut. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon succinct. Je vous propose qu'on aborde maintenant le vif du sujet. Je vais céder la parole à nos deux docteurs et puis à notre équipe de professionnels également présente ce soir et puis pour parler d'endobiogénie je crois au départ et on abordera les formations en suivant. Merci Maya. Jean-Christophe, je pense que tu peux prendre le relais. Oui, je suis prêt. Tu es prêt. Hop. Bien, donc on va aborder concrètement ce qu'est l'endobiogénie.
Il faut savoir que c'est une approche médicale qui s'inscrit dans toute une histoire et dans l'histoire de la médecine mondiale. Donc, elle dépend de grands concepts et on vous a retenu pour ce soir les principaux acteurs, dont le premier est Hippocrate, avec sa notion de primum nocere. Le primum nocere est premièrement, ne pas nuire, est d'une importance fondamentale pour les médecins prescripteurs. Il faut soigner le malade sans le rendre malade de nos traitements. Et en endobiogénie, comme Maya a pu vous le dire, on va privilégier fortement les outils d'extraction naturelle et la plante médicinale en principal, dont l'objectif est d'utiliser ces outils à les doses le plus physiologiques possible et le moins substitutif possible, afin de vraiment respecter l'organisme et d'être vraiment dans cette notion du primum nocere. Ensuite, on va faire un grand bond dans l'histoire et on va arriver à Claude Bernard avec la notion d'homéostasie. Alors, Claude Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le professeur en médecine qui a formé Pasteur. Pasteur qui n'est pas médecin, mais qui est physicien cristallographe. Claude Bernard, lui, était physiologiste. Il a fait beaucoup de vivisection. Et tous ses travaux sur le vivant l'ont amené à poser les concepts de l'homéostasie, même si ce n'est pas lui qui a inventé le mot homéostasie, qui est apparu quelques années plus tard avec Ganon. C'est Claude Bernard qui en est à l'origine des concepts. Et l'homéostasie, c'est l'équilibre des flux circulant dans notre organisme et qui permet une bonne fonctionnalité de notre métabolisme. C'est une notion fondamentale pour l'endobiogénie. Quelques années plus tard encore, arrivent les travaux du professeur Hans Selye, qui est un Hongrois immigré au Canada, et donc c'est un médecin canadien qui a fait ces travaux-là, et qui a mis en évidence le syndrome général d'adaptation. Le syndrome général d'adaptation, c'est comment réagissent les organismes face à une stimulation qui vient perturber leur équilibre de base. Donc ça se complète complètement avec l'homéostasie, qui est la notion d'équilibre, et le syndrome général d'adaptation, qui est donc cette nécessité de la vie de s'adapter à tous les événements qui viennent interagir avec nos organismes. Et on va avancer avec le docteur Jean Valnet, qui a mis au point la phytothérapie clinique. Alors Jean Valnet est un médecin militaire, anesthésiste, et qui s'est retrouvé pendant la guerre du Vietnam dans la poche de Dien Bien Phu et qui s'est retrouvé sans thérapeutique. Il a eu l'aide des autochtones qui lui ont apporté des plantes médicinales pour soulager ses patients. Et ça n'a posé aucun problème pour Jean Valnet, parce que Jean Valnet avait une grand-mère qui était sage-femme et qui utilisait beaucoup les plantes médicinales. À son époque, il s'est rendu compte qu'il y avait donc tout un savoir qui était en train de se perdre. Il a fait un énorme travail de collecte de l'usage de la tradition de la plante médicinale et il a initié la compréhension de ces plantes au travers la clinique, c'est-à-dire au travers l'usage qu'on en a sur nos malades pour aboutir à ce qu'on appelle la phytothérapie clinique. Ça, ce sont les quatre grands moments forts, on va dire, qui ont pu construire l'endobiogénie. L'endobiogénie est née dans les années 80 dans le cerveau du docteur Christian Durafour. Christian Durafour a pensé la médecine autrement. Il nous a apporté un autre regard et il a un esprit qui est très arborisé, donc un esprit qui nécessite une dynamique d'intégration. Et c'est pour ça que l'endobiogénie est une médecine intégrative. Et c'est une médecine intégrative qui est centrée sur l'individu. Endobiogénie, c'est un terme qui est arrivé beaucoup plus tard, dans les années fin 90, début 2000, parce qu'il y avait une grosse confusion avec la notion de terrain, et qu'à l'époque, on parlait beaucoup de terrain, mais sans vraiment préciser les choses. Donc la théorie de Christian Durafour s'est appelée initialement la théorie neuro-endocrinienne du terrain. Et il a été donc nécessaire de changer de terminologie, puisque ce terme terrain était galvaudé. Et donc il a créé un néologisme, endobiogénie, qui veut dire endo,
en référence à l'intérieur, bio en référence au vivant et génie en référence au génie civil, à l'organisation. Donc l'endobiogénie, c'est la science qui réfléchit sur l'organisation de la vie intérieure, c'est-à-dire sur les mécanismes d'autoréparation de l'organisme et pourquoi ces mécanismes peuvent éventuellement défaillir et amener vers la maladie. Et donc, en ayant cette approche, avec l'endobiogénie, on va pouvoir décrypter la fonctionnalité de nos patients et venir les accompagner et les soutenir par rapport à leurs défauts de fonctionnalité qui entraînent une rupture d'équilibre liée à des réponses adaptatives malvenues. Alors, pour résumer cette dynamique, si vous avez un patient qui est dans un état d'équilibre relativement parfait, qu'on va appeler l'état de santé, on peut passer des heures à parler de qu'est-ce que la santé, hein, mais voilà, vous imaginez que ce patient, a priori, ne pose aucun problème et il subit une agression. Cette agression, elle peut venir de l'extérieur, elle peut venir de son intérieur, bref, il subit une agression qui vient perturber son équilibre. Cette agression va entraîner la nécessité d'une réponse d'adaptation. Si vous n'êtes pas adaptable, vous allez mourir. L'agression, elle va vous tuer sur place. Donc, il faut que vous ayez cette capacité de vous adapter. Et pour vous adapter, ça nécessite des mécanismes physiologiques, dont principalement la congestion, qui est le lit de l'inflammation. Tout ça va être conditionné par les besoins métaboliques et va aboutir également à l'expression de l'immunité. Ces réponses d'adaptation ne vont pas se faire au hasard. Elles vont se faire en fonction d'un système régulateur, enfin de plusieurs systèmes régulateurs. Tout d'abord, il y a les facteurs locaux qui vont conditionner votre agression. Si vous prenez un coup de poing sur la joue, c'est ici que ça va se passer, ce n'est pas au niveau de la cheville. Donc, il va falloir localement gérer cette agression et mettre en place les mécanismes de réparation. Donc ça, c'est tous les facteurs locaux qui vont se mettre en activité. Mais au niveau général, vous allez avoir les éléments endocriniens qui sont fondamentaux pour calibrer les choses et également toute l'information neurovégétative qui va être vraiment dans l'interaction entre l'agresseur et la dynamique adaptative, parce que c'est par le système alpha-sympathique qu'on va déclencher le syndrome général d'adaptation. Une fois que toute cette réponse d'adaptation est mise en route, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est que votre organisme, eh bien, il apporte une réponse adaptée à l'agression, et donc, il va revenir à l'état initial, à la restitution ad integrum. Et ça, c'est l'état physiologique. Et ça, nous faisons ça tous les jours, en permanence, tout le temps. Tout le temps, nous nous détruisons, nous nous reconstruisons. Nous restons dans un état physiologique fonctionnel, équilibré, qui nous permet d'afficher un état de bonne santé. Mais parfois, la réponse d'adaptation n'est pas tout à fait efficace par rapport à cette agression. Et donc, on a une non-adaptation de la réponse. Et cette mauvaise adaptation va entraîner un déséquilibre, un état de déséquilibre pré-critique. Cet état-là peut vous faire basculer dans la maladie et rentrer dans l'état critique maladie. C'est l'expression du déséquilibre. Dans ce cas-là, nous sommes dans l'état physiopathologique. Et l'état physiopathologique, c'est essentiellement ce que nous avons appris à la faculté, puisque notre enseignement de médecin s'est focalisé sur la compréhension des pathologies, donc des états physiopathologiques. Et on en a oublié la physiologie de base qu'on a reçue dans notre enseignement pendant la première et parfois la deuxième année de nos études. Mais souvent, ce qu'on nous a appris comme étant physiologique était déjà un peu de la physiopathologie, parce que quand vous coupez un nerf pour montrer l'expression de l'autre nerf, vous perdez toutes les dynamiques de régulation qu'il y a entre ces deux nerfs-là, par exemple. Donc l'endobiogénie va se focaliser à comprendre comment fonctionne l'état physiologique par rapport à une agression, comment va se mettre en réactivité notre organisme avec ses systèmes régulateurs, comment il va apporter une réponse à cette adaptation et pourquoi il a une réponse qui est adaptée et qui permet le retour à l'état d'équilibre. Et quand vous n'avez pas le retour à l'état d'équilibre, que vous partez dans du déséquilibre qui est la maladie, il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que ce déséquilibre n'est que le meilleur équilibre qu'a trouvé l'organisme pour vivre jusqu'à l'instant présent. Ce ne sont pas deux entités différentes, c'est vraiment la même chose. Le déséquilibre n'est qu'une expression
de l'équilibre perturbé et qui n'amène pas à l'état de bonne santé. Donc l'endobiogénie propose d'interagir essentiellement au niveau de la petite étoile rouge qui se trouve au cœur de ce schéma pour influencer votre organisme à améliorer ses réponses adaptatives et à rester dans l'état de bonne santé et fuir l'état physiopathologique. En synthèse, disons que nous avons le système neurovégétatif. Ce système neurovégétatif contient trois portions. Une première portion qui est le parasympathique, qui gère le tonus de base de l'organisme. Et une seconde portion qu'on appelle l'orthosympathique ou le sympathique, qui lui-même est composé de deux éléments, à savoir l'alpha-sympathique qui met en tension l'organisme et qui prépare l'action, et le bêta-sympathique qui est une expression de cette mise en tension et qui est la réalisation de l'information par rapport à l'action qui est demandée. Si vous aviez une cocotte minute, par exemple, le parasympathique conditionne la puissance du feu sous la cocotte minute. L'alpha-sympathique représenterait la pression qui monte dans votre cocotte minute et le bêta-sympathique, la pression supplémentaire qui permet de faire tourner la soupape. Voici comment nous marchons à peu près. Ce système neurovégétatif est en relation avec le système endocrinien. Vous savez que le système endocrinien comprend quatre axes. L'endobiogénie a organisé ces axes dans un ordre chronologique qui a une importance. Vous avez l'axe corticotrope, qui est un axe qui va subir, qui va recevoir l'information d'agression. Et c'est sur l'axe corticotrope qu'a essentiellement travaillé Hans Selye par rapport au syndrome général d'adaptation. Cet axe corticotrope, lui, va donc déclencher toute la dynamique d'adaptation. C'est un axe destructeur, c'est un axe principalement catabolisant. Et il va rentrer en communication directe avec un axe réparateur, reconstructif, qui est l'axe gonadotrope, mal nommé, car certes, il gère nos gonades et il a une influence sur notre sexualisation, qu'on soit une femme ou un homme, ça vient de cet axe-là, mais ce n'est pas lié aux hormones produites par cet axe, mais surtout aux récepteurs de ces hormones qui ont sexualisé notre corps. Que nous soyons un garçon ou une fille, nous avons les mêmes hormones gonadotropes et la fonction première de cet axe-là est de gérer l'entretien de l'existant et accessoirement l'entretien de l'espèce. Cet axe gonadotrope, pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Il va donc avoir besoin de l'axe thyréotrope, qui est la vraie chaudière de l'organisme et qui va impulser l'énergie là où on en a besoin par la destruction de l'existant, libérant ainsi de l'énergie, mais aussi de la matière première. Et cette matière première va être recyclée et réutilisée pour les constructions nécessaires et enclenchées par l'axe gonadotrope. Et enfin, vous avez l'axe somatotrope, c'est l'axe de construction, celui qui était principal dans votre vie, de votre conception jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Cet axe-là a permis d'absorber de la matière qui vient du milieu extérieur pour vous construire votre intérieur. Il continuera, après la fin de votre croissance, à faire ce travail-là, mais à un niveau tel que normalement vous devriez, enfin vous arrêtez de grandir, et si vous continuez à prendre de la matière, vous allez grandir en largeur, mais plus en hauteur. Parce qu'il y a des mécanismes physiologiques qui ont bloqué donc, cette croissance hauteur, et qu'il y a un relais à la fin de cette croissance de l'enfance, et quand on rentre dans l'âge adulte, il y a un relais de priorité entre l'axe gonadotrope et l'axe somatotrope, l'axe gonadotrope prenant la dynamique de la construction de notre organisme une fois qu'on est arrivé à l'âge adulte. Cet axe somatotrope est important, il contient des glandes importantes comme le foie, comme le pancréas, et vous verrez qu'en endobiogénie, on va vous parler beaucoup du pancréas, une glande qui est assez oubliée dans notre enseignement médical. Le pancréas est une glande qui, certes, quand il fonctionne mal, peut déclencher le diabète, mais c'est-à-dire gérer le sucre et par des hormones comme l'insuline, par une hormone comme l'insuline par rapport au sucre, mais aidée par le glucagon qui est également fabriqué par le foie. Ce pancréas a aussi d'autres fonctions importantes qui sont des fonctions d'excrétion du bicarbonate dans le tube digestif et également d'enzymes qui vont permettre la digestion de ce que vous avez mangé. Et on a une interaction très très forte entre le parasympathique et le pancréas
et le travail du pancréas va conditionner le niveau de tension du parasympathique, donc le niveau de force qu'il peut y avoir sous la flamme qui est sous votre cocotte minute. C'est pour ça que c'est une glande importante pour la réflexion en endobiogénie. À cela va s'associer votre génétique. Donc, si vous avez des yeux bleus, ben vous avez des yeux bleus. C'est quelque chose qui est figé dans vos gènes et dans l'expression de vos gènes. Et puis, vous avez l'épigénétique et tout l'environnement dans lequel vous avez évolué depuis votre conception jusqu'à maintenant. Et cette épigénétique a conditionné l'expression ou pas de certains gènes et ont fait que vous êtes dans tel niveau d'équilibre au moment de la consultation. Tout ça, ça dépend aussi des choix et des événements dans la vie. Il y a des choses qu'on peut choisir, il y a des choses qu'on subit. Quand vous avez le choix entre vivre à la montagne ou vivre au bord de mer, eh bien, vous faites un choix et ça va conditionner votre vie. Il y a des choix que vous avez subis parce que vos parents ont décidé d'aller vivre à la montagne ou d'aller vivre au bord de mer et ce n'était pas votre choix, mais ça va malgré tout conditionner votre vie. Il y a des accidents dans la vie qu'on ne va pas aller choisir et qui viennent nous impacter. Tous ces éléments vont construire l'individu. Tous ces éléments-là qui sont sur la diapositive vont construire l'individu et le mettre dans une dynamique fonctionnelle qui est celle de l'instant présent que vous avez tous ce soir. Et ça, on appelle ça le terrain endobiogénique. Et c'est ce que le praticien, qu'il soit médecin, qu'il soit dentiste, qu'il soit sage-femme, qu'il soit pharmacien dans ses conseils, mais aussi que ce soit un paramédical, infirmier, nutritionniste, kiné, un ostéopathe, mais aussi des personnes qui sont dans les professions du bien-être. Si tu peux revenir un peu en arrière, Reda, pardon. Toutes ces professions sont en interface et en interrelation avec l'organisme et ils vont aussi avoir une action par leur rôle sur l'adaptation. Et donc, nous avons tous à œuvrer ensemble pour amener nos patients à fonctionner au mieux avec les outils que nous possédons par rapport aux spécificités que nous avons. On va avancer. Donc, avec cette réflexion endobiogénique, on va mettre en place un projet thérapeutique et avoir une attitude thérapeutique particulière. Ce projet thérapeutique se constitue en 4 niveaux. Le premier niveau étant de soulager le patient. Donc, dans un premier temps, il faudra mettre en place un traitement symptomatique. C'est ce que fait l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis plus de 7000 ans, nous avons des tablettes d'argile mésopotamienne qui retracent des recettes médicales. Donc, ça ne date pas d'hier. Et bien avant ces tablettes, eh bien, il y avait de toute façon un usage médical de ce que notre environnement nous apportait, et donc essentiellement à la plante médicinale. Vous savez que le monde animal a également ses propres pharmacopées et que les singes, par exemple, vont aller chercher, parfois faire des kilomètres dans la brousse pour aller chercher une plante dont ils vont récupérer les fruits, les retrousser parce qu'il y a des poils dans cette plante qui forment un effet velcro et avaler ça comme des petites gélules, comme des petites boulettes. Et ces poils-là vont aller capter les parasites qu'il y a dans le tube digestif du singe et permettre ainsi de nettoyer, de le déparasiter. Vous savez, des perroquets qui mangent à un moment de l'année des baies qui sont à profusion dans leur milieu naturel mais qui sont toxiques pour eux et qui vont faire des kilomètres de vol pour aller manger des argiles sur une falaise et revenir manger les baies sur leur lieu de vie car grâce à cette argile, ils ne seront pas intoxiqués par ces baies-là. Donc, vous voyez que le monde animal a sa pharmacopée et que l'humain primitif avait également sa pharmacopée et que cette pharmacopée s'est étoffée au fil des siècles et grâce à l'écriture, elle a été fixée et transmise encore plus précisément jusqu'à nos jours, avec des erreurs, avec des mauvaises interprétations parfois, mais malgré tout avec un continuum qui est quand même fondamental et qui est le poids de nos traditions. L'endobiogénie a fait un gros travail de la tradition dans la science et on a été chercher dans ces outils thérapeutiques d'extraction naturelle les outils qui nous paraissent les plus cohérents en fonction des données de la science d'aujourd'hui. Et donc, il y a un énorme travail qui a été fait dans la réflexion endobiogénique par rapport à l'outil thérapeutique et une meilleure compréhension de cet outil et par rapport
à l'organisme et une meilleure compréhension du fonctionnement de cet organisme. Et ainsi, la synergie de ces deux travaux vont vous apporter une puissance énorme. Donc, au niveau traitement symptomatique, on a fait du tri dans des plantes qui sont purement symptomatiques. Il y en a qu'on ne va quasiment pas prescrire, car elles n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous, dans la mesure où il y a d'autres plantes qui sont dans les mêmes effets symptomatiques, mais qui auront d'autres intérêts et qui pourront agir sur les autres niveaux. Et puis parfois, vous avez une plante qui est extrêmement symptomatique et qui apporte rien d'autre comme réponse, mais qui est intéressante de connaître, parce que c'est la seule qui va nous aider dans la problématique. Par exemple, si vous avez des hémorragies génitales, vous avez une plante qui est la bourse à Pasteur, qui a principalement un effet symptomatique majeur, qui est l'arrêt des hémorragies génitales. Donc, dans ce cas-là, on utilisera cette plante-là. Et là, on reste sur du niveau symptomatique. C'est grosso modo toute la phytothérapie traditionnelle que vous avez pu apprendre éventuellement, même sophistiquée avec l'usage et la connaissance des pharmacognostes, mais que vous pouvez avoir dans des DU de phytothérapie. On reste sur une approche très symptomatique. Là où l'endobiogénie va vous donner une plus grande puissance dans l'usage de l'outil thérapeutique, c'est qu'on va avoir un deuxième niveau d'action des plantes, qui est un niveau de drainage. Alors, un niveau de drainage est assez connu des naturopathes, un peu moins des médecins de base, on va dire. Mais cette action de drainage est importante. Le problème, c'est que l'endobiogénie va vous apprendre que le drainage peut être nécessaire et donc il ne faut pas forcément drainer. Ou s'il faut drainer, il faut drainer avec un calibrage réfléchi. Et vous avez une multitude de plantes qui nous aident à bien drainer, soit fortement, soit faiblement, soit limiter les états congestifs. Tout ça, c'est une approche, ces deux premiers niveaux qui sont vraiment les niveaux, on va dire, des préceptes de la plante. Et on va optimiser l'action de cette plante médicinale si on y associe également la réflexion neurovégétative. Car les plantes, pas toutes, mais certaines, ont des propriétés neurovégétatives. Et quand vous avez compris le fonctionnement du terrain, eh bien vous allez faire le choix. Par exemple, si je vous prends deux plantes anti-infectieuses bien connues, qui sont le thym et le romarin, vous avez une action du thym qui va freiner le parasympathique, alors que vous avez une action du romarin qui va stimuler le parasympathique. Donc, selon votre diagnostic endobiogénique et la compréhension du système neurovégétatif de votre patient, vous allez privilégier pour l'un le thym et pour l'autre le romarin, alors vous allez soigner la même maladie qui est une infection. Là, l'impact neurovégétatif est vraiment important et ça va vraiment être un outil majeur supplémentaire qui va rentrer dans votre réflexion, que ce soit dans le conseil d'une tisane régulière, que ce soit dans une approche vraiment thérapeutique pour le médecin qui va prescrire, mais que ce soit simplement dans du conseil pour les paramédicaux et dans les bien-être, vous aurez déjà des petites notions de neurovégétatifs qui vont vous aider, comme je viens de le faire avec le thym et le romarin, à choisir la bonne plante pour augmenter la performance. Enfin, on a tout l'impact endocrinien que peuvent apporter les plantes médicinales, pas toutes là aussi, donc il va falloir bien les connaître, et l'impact endocrinien est majeur car on va vraiment aller au cœur du réacteur, si on veut, au cœur du réacteur du malade, et on va aller agir vraiment sur la finesse des dysfonctionnalités de la communication qu'on peut avoir entre les axes tels que nous les avons vus tout à l'heure. Alors, l'approfondissement de toute l'activité du système endocrinien est quand même assez réservé aux professions de prescription, qui sont donc les médecins, les sages-femmes, les dentistes, et aux pharmaciens, bien sûr, parce qu'eux, ils délivrent, et il faut qu'ils comprennent également les ordonnances qu'ils délivrent. Et puis, en conseil, en officine, c'est aussi important. Donc, vous voyez qu'on a quatre niveaux d'action. On va avancer progressivement dans ces quatre étapes, quel que soit votre corps de métier. On va insister plus ou moins sur des étapes sur lesquelles vous pouvez avoir une interférence, une action. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la dose qui va faire le soin, mais ça va être la répétition qui va faire le soin. Et donc, l'objectif, vu qu'on ne va pas être substitutif mais inductif d'une information, c'est d'apporter un projet thérapeutique dans des doses physiologiques avec des outils thérapeutiques issus de notre environnement, de la nature, car je me plais toujours à dire que Homo sapiens sapiens n'est pas un extraterrestre qui est venu conquérir cette planète,
jusqu'à preuve du contraire, nous sommes nés avec cette planète et nous répondons aux mêmes règles que le chat, que la souris, que les plantes qui sont autour de nous. Nous sommes issus d'un processus qui est le processus du vivant sur cette planète, peut-être unique dans l'immensité du monde. En attendant, il est spécifique à notre planète et donc nous avons une interrelation avec les végétaux que nous mangeons et donc une interrelation avec les végétaux que nous savons assimiler, exploiter, on va dire, dans notre corps et rejeter en fonction de tout ce qui n'est plus utile. Et bien, ce que nous faisons avec nos légumes tous les jours, nous le faisons aussi avec les plantes médicinales et c'est par la répétition d'une information qu'on aura une action qui va modifier le fonctionnement de votre terrain, qui va modifier votre équilibre endobiogénique. Et ainsi, avec un projet thérapeutique qui va respecter au maximum le primum non nocere d'Hippocrate, qui va comprendre les notions d'équilibre et d'homéostasie de Claude Bernard, qui vont intégrer toute la réactivité de votre organisme par rapport à l'adaptation qu'a décrit Hans Selye, avec un outil thérapeutique physiologique qui est la phytothérapie clinique, comme nous l'a apporté Jean Valnet. Tout ça intégré dans une réflexion qui est l'endobiogénique que Christian Durafour a créée. Tout cela, eh bien, nous allons tenter de vous l'expliquer pendant nos cours et vous apporter ce savoir pour que vous puissiez progresser dans la qualité de vos soins pour vos patients. Merci Jean-Christophe pour ce brillant exposé qui illustre bien ton esprit intégratif. Donc je pense que là, ça donne l'eau à la bouche. En tout cas, merci pour ça. Nous, ce soir, nous avons la chance d'avoir trois donc, adhérents hein, que Maya vous a présenté en début, qui ont eu la gentillesse d'être là ce soir bah, justement pour nous dire à quoi a pu leur servir cette formation. Et je vous propose d'abord de faire un petit focus sur ceux qui ont la responsabilité de la prescription. En l'occurrence, ce soir, nous avons deux médecins. Donc, tout d'abord, alors, je ne vois pas les. J'ai perdu les vidéos, hein, donc je ne vous vois pas, je vous entends par contre. Donc, Yoni, peut-être qu'on peut commencer par toi parce que tu as fini ta formation récemment. Et t'a-t-elle oui. permis voilà, de modifier ta pratique ? En quoi est-ce qu'elle t'a permis le SAP éventuellement ? Et es-tu satisfait de tes éventuels premiers retours? Oui, bah, effectivement, ouais. Oui, Reda, je suis plus que satisfait. En fait, moi, j'avais fait déjà de la phytothérapie, mais l'apport que m'a donné l'endobiogénie, c'est de justement ne plus être que symptomatique. Réussir à aller un peu plus loin dans ma réflexion et vraiment reprendre l'individu en tant qu'individu. Et effectivement, il y a un terrain pour chaque individualité et ça, je ne l'avais pas dans ma pratique antérieure. J'ai compris pas mal de choses grâce à cette formation, c'est vraiment très puissant. Alors, j'en suis qu'au balbutiement, hein, je suis un débutant en endobiogénie, mais je me suis rendu compte que de par les retours que j'ai par mes patients, j'ai l'impression d'être plus efficace qu'auparavant dans mes prises en charge. C'est vrai qu'on fait de la physiologie très très fine en endobiogénie. La formation nous apporte un autre regard. On reformate un peu notre disque dur. J'ai vraiment eu cette sensation, c'est de redevenir vraiment étudiant et d'apprendre une nouvelle façon d'aborder mon métier. Et ça, c'est vraiment génial et je le découvre encore. Et il y a encore plein de choses à travailler, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment... Pour les médecins, vous verrez, c'est très puissant, quoi. C'est une discipline qui nous apporte vraiment, vraiment une valeur ajoutée dans notre métier. On ne fait plus de médecine d'abattage, ça c'est certain. On fait de la médecine que je dirais lente, mais vraiment adaptée. C'est un peu de la haute couture, hein, si on veut utiliser un terme comme celui-ci. On vient vraiment chercher l'endocrinien, le neurovégétatif. Et on a des résultats qui sont assez, assez fabuleux. Moi, je recommande vivement, en tout cas, cette formation parce que cette adaptation, on est effectivement, comme le disait Jean-Christophe, en adaptation permanente. C'est quelque chose dont on n'a pas notion pendant notre formation. On ne fait que de la physiopathologie.
on fait pas de physiologie. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait dans ma pratique. En plus, j'étais urgentiste, moi, auparavant. Donc, j'ai pris le contre-pied. On a besoin de la médecine classique dans l'urgence. C'est indéniable. Cependant, si on veut que les gens restent en bonne santé, grâce au primum non nocere, la iatrogénie qu'on peut induire avec les traitements, je dirais, allopathiques classiques, est quand même vraiment, vraiment... me gêne quand même pas mal dans ma pratique quotidienne. Donc, réussir à utiliser la plante qui va être vraiment adaptée aux besoins de l'individu, puisqu'on vient du même endroit, on vient du même être unicellulaire au départ, ça me semble tout à fait logique dans la prise en charge de nos patients. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, ouais. Dans la prescription, je dirais, j'avais cette notion de phytothérapie, puisque j'avais suivi un DU. Dans la prescription pure, eh ben, avant, j'utilisais des doses, on va dire, vraiment symptomatiques. Donc, un peu, on va dire, je tapais un peu fort avec la phyto même, parce qu'on peut faire, on peut vraiment taper très fort avec des huiles essentielles, avec la phytothérapie. Maintenant, à dose physiologique, on se rend compte que ça fonctionne très, très bien. Et on prend quand même moins de risques. Après, il faut réussir à bien établir un profil pour chaque patient, mais je trouve qu'on est vraiment, vraiment très puissant avec cette technique, avec cette approche médicale, qui reste une approche vraiment médicale et physiologique de nos patients. Super, voilà. Merci. Je suis content de t'entendre, Yonis, hein, parce que je vois que ce qu'on a voulu faire passer dans l'enseignement, bah, tu as tout pris et tu l'exploites, donc c'est super. Oui, ouais, c'est vraiment... Non, je vous remercie parce que c'est quelque chose... voilà, enfin moi, je m'installe du coup vraiment à faire plus que ça. Alors avant, je faisais de la médecine classique, mais maintenant, je ne fais plus que de l'endobiogénie. J'essaie de... Justement, là, je viens d'ouvrir mon cabinet et je ne fais plus que ça. Donc, avec des consultations longues, où je prends au minimum une heure par patient, et où j'essaye vraiment de caler au mieux ma pratique et ma prise en charge sur l'individu qui est unique, qui a autant de terrain qu'il y a d'individus. C'est ce que j'ai compris en faisant cette formation. On nous enseigne vraiment des protocoles à la fac, mais pour aller vite, si on veut être, je pense, plus efficace, il faut être adapté à chacun. Et là, l'endobiogénie prend tout son sens. Merci, Yoni. On reviendra après sur d'autres notions, peut-être. Charlotte, du coup, toi, donc tu es médecin et tu es en fin de formation en endobiogénie, hein, tu es à la fin de ta deuxième année. Penses-tu que voilà, cet apprentissage t'apporte des données nouvelles et penses-tu que ça influencera plus tard ta pratique, peut-être ? Oui, bonsoir à tous. Moi, par rapport à Yoni, j'étais presque vierge en approche phytothérapique, si ce n'est pour la santé de ma famille. Et j'ai découvert l'endobiogénie à travers une situation proche de pathologie cancéreuse. Et je trouve que cette pathologie-là illustre bien le fait qu'il y a besoin de voir le patient et non pas de centrer sa réflexion uniquement sur la pathologie. Et ça a été une révélation dans l'approche de l'individu malade, quoi. Moi, je suis spécialisée en médecine physique et de réadaptation et particulièrement en rééducation neurologique. Et du coup, dans mon formatage, j'ai une approche qui est très globale, pluridisciplinaire. Et en ça, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec l'endobiogénie dans la prise en charge des patients dans leurs dimensions somatiques, physiques, émotionnelles, psychologiques. Et aussi dans l'éducation, Maya en parlait tout à l'heure, mais dans l'éducation à la santé, dans l'implication thérapeutique du patient dans son projet de soins. Et de voir cette approche-là appliquée à la pathologie somatique plus qu'au handicap en lui-même, ça a été une vraie révélation. Alors après, c'est
c'est pas confortable quand même, hein, parce que comme l'a dit Yoni, c'est un vrai reformatage, mais c'est passionnant quoi, de se replonger dans la physiologie de haute couture, là aussi, la physiologie fine. Voilà, ça demande un gros gros travail, mais qui permet de juste de faire sens en fait, de faire sens avec de la cellule à l'individu dans son environnement et avec son histoire de vie aussi. Parce que dans l'approche endobiogénique et dans la démarche diagnostique, on part de la vie intra-utérine jusqu'au moment où le patient se présente devant nous. Et du coup, on intègre enfin aussi toute cette histoire d'épigénétique dans l'histoire de santé du patient qui se présente face à nous. Donc, c'est la démarche diagnostique est passionnante, le temps d'écoute est très valorisé, la posture du médecin, voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup parlé. Après, au départ, j'étais un peu déstabilisée par la phytothérapie, parce que moi, pour le coup, j'avais peu de connaissances dans ce domaine. Mais finalement, en fait, comme l'a dit Jean-Christophe, on n'aborde pas 2500 plantes. Elles sont vraiment sélectionnées pour leurs intérêts propres et variés. Et du coup, au cours de la formation, on finit par maîtriser ce qu'il faut maîtriser. Voilà. Donc moi, ça a vraiment révolutionné mon approche de la médecine. Et je trouve que ça change aussi le regard sur les individus qu'on croise, sur nos patients, sur notre abord de la santé de l'individu dans l'environnement, dans l'époque actuelle. Et voilà, et comme la rythmicité fait l'action aussi, la répétition fait l'action. Bah là aussi, en médecine de rééducation, c'est la base quoi, hein, pour maintenir son niveau d'autonomie. Voilà, je trouve que redonner au corps ses pleins pouvoirs d'auto-guérison, c'est on ne peut plus actuel. Et redonner cette autonomie dans une relation équilibrée patient-thérapeute, c'est très puissant et enrichissant, voilà. Et puis comme il y a autant d'individus que de terrain, c'est du renouvellement sans cesse. Donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert ça. C'est vraiment passionnant. Merci Charlotte pour ce témoignage très très puissant aussi, hein, Yoni et Charlotte, merci. Moi j'aime bien parce que Charlotte elle a dit c'est faire sens, et on manque tellement de sens dans nos pratiques, et là on revient sur cette notion faire sens, et je trouve que ça c'est un moment très très fort de ce que tu nous as raconté. Alors avant de te donner la parole Clément, simplement pour exposer un peu les diverses solutions pour la prise en charge en endobiogénie, c'est vrai que on a un peu, Jean-Christophe nous en parlait avec la démarche sur le symptomatique, le drainage neurovégétatif et endocrinien, mais c'est important de dire que justement au niveau de la prise en charge, on a un trio un peu qui est assez incontournable, qui est assez puissant. Vous parliez de puissance, c'est effectivement toute la dimension de la vie du patient et donc des conseils hygiéno-diététiques qui sont vraiment intégrés à la physiologie, les thérapies d'extraction naturelle dont les plantes sont on va dire le fer de lance, mais auquel on peut adjoindre un certain nombre d'autres éléments, et bien sûr les pratiques professionnelles qui peuvent complètement être, en fonction du métier qu'on fait, être intégrées dans ces dimensions-là, tout en respectant la physiologie. Yoni, tu parlais effectivement du côté urgent, hein, donc du côté thérapie substitutive qui n'est pas du tout repoussée, mais au contraire qui est remis à sa place peut-être pour quand les capacités d'autoréparation sont dépassées. Et c'est vrai que ce panel-là donne justement
toute sa place à différentes professions en fonction de leurs finalités respectives, tout ça pour s'occuper du patient, donc du coup l'idée de réseau, sauf effectivement les thérapies substitutives qui, elles, sont réservées aux prescripteurs purs et ceux qui sont en responsabilité de la prescription. Mais c'est vrai que pour tout le volet qui est en fait assez important hein, de ce trio-là, c'est quand même très ouvert à toutes les professions, et donc enfin de santé en tout cas, qui s'occupent du patient. Et donc toi, Clément, tu as, je crois, la particularité d'être à la fois kiné et infirmier, c'est ça? Et tu suis une formation d'ostéo, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et donc du coup, tu as fini ta formation récemment. Et en tant que... Alors, c'est génial de t'avoir ce soir parce que tu vas pouvoir nous parler de différents volets. En tant que praticien de plusieurs métiers paramédicaux, toi, quel bénéfice tu as pu tirer de ce que nous t'avons transmis, en tout cas de ce qu'on a essayé de te transmettre? Dans un premier temps, en fait, ce qui est intéressant avec l'endobiogénie, c'est qu'il y a une réflexion physiologique du patient et pas une réflexion physiologique fragmentée comme ce qu'on peut voir habituellement dans les livres de physiologie, mais une physiologie intégrée. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre d'une manière globale le patient, et ça, peu importe le niveau d'étude du praticien de santé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être, je veux dire, intégré par des paramédicaux et comme les médecins. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important. Et c'est surtout quelque chose qui est très négligé dans les cursus paramédicaux. Donc voilà, par rapport à l'intégration des parcours et des professionnels de santé, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux deux médecins qui sont là, en tant qu'infirmier, moi je suis spécialisé en réanimation et urgence, donc plutôt la médecine très aiguë et supportive. Et de l'autre côté, en tant que kiné, tout ce qui est rééducatif, c'est intéressant par rapport à la mise en mouvement. Alors, par rapport à tout ce qui est... Je vais scinder par rapport aux différents paramédicaux. Donc, par exemple, pour l'infirmier, on parle beaucoup aujourd'hui des infirmiers en pratique avancée, qui est une spécialité qui commence à se développer en France, notamment, qui est déjà un peu plus développée en Belgique. Et par rapport à ça, ça veut dire que l'infirmier va avoir une autonomie de plus en plus grande dans ses prises en charge. Et ça peut être intéressant que dans un travail de collaboration avec un professionnel de santé, d'intégrer une approche intégrative et endobiogénique par rapport au patient. Et notamment, par exemple, dans des prises en charge de diabète, de soins de plaies, de tout ce qui est maladie chronique, pathologie chronique de civilisation qu'on rencontre beaucoup actuellement. Quoi. Après, pour la kiné, ce qui est intéressant, c'est d'apporter des adjuvants à tout ce qui est rééducation. Donc, que ce soit des adjuvants physiologiques par un support, un support endocrinien par des plantes on va dire un côté plutôt bien-être et local par rapport à des adjuvants de plantes, par rapport à des huiles particulières pour favoriser telle ou telle action, pour optimiser en fait un mouvement. Après, pour la partie ostéo, ce qui est très intéressant. Et en ostéopathie, on parle souvent que la loi de l'artère est primordiale, ce qui est très intéressant. Donc, en ostéopathie, on travaille beaucoup tout ce qui est système nerveux autonome et tout ce qui est vasculaire, à travers ça, le vasculaire. Le problème, c'est ce qui est négligé en ostéopathie, c'est qu'on s'arrête à favoriser la vascularisation, mais on ne s'attarde pas à ce qu'il y a dans la vascularisation. Et l'endobiogénie, en fait, ça permet d'apporter ça. Donc, tout ce qu'on met au niveau sanguin, tout ce qu'on va apporter comme molécule pour pouvoir optimiser la fonction d'un organe ou d'une fonction. Donc ça, c'est très important. Et pour faire encore une petite... par rapport à la nutrition, parce que je fais une formation aussi en nutrithérapie en parallèle, et en fait, je me rends compte que l'endobiogénie, en fait, c'est le moteur. C'est-à-dire que avec l'endobiogénie, on va favoriser la fonction de l'organisme, et avec la nutrition, on va apporter les briques pour le maçon, en fait, hein, ou l'essence, si vous voulez, pour le moteur. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Parce que donner, par exemple, des bonnes molécules, si on est en incapacité de les utiliser, ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et ça permet, du coup, de favoriser, en fait, une prise en charge thérapeutique personnalisée du patient, et de savoir quelle fonction optimiser pour le ramener vers une autonomie de santé. Merci Clément, c'est vrai que c'est une chance de t'avoir parce que
Déjà dans ton parcours, tu as un parcours qui est quand même déjà très intégratif, hein, et c'est vraiment génial d'avoir ce témoignage par rapport à tout ce que tu as ressenti sur tes différentes casquettes. Donc, merci. Très, 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 très remarquable, hein, ce que tu nous dis. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir les meilleures molécules qui soient, mais si on n'est pas dans la capacité de les intégrer et de les métaboliser en fonction de nos besoins, ben, ça ne sera pas forcément à grand-chose. Donc, il faut effectivement aller au-delà de la qualité produit et pour aller d'abord dans la compréhension du fonctionnement de l'organisme à qui on va donner ces produits-là. Alors pour rapidement vous expliquer un petit peu donc on a vu le contenu, on a vu un petit peu la philosophie, ce que ça peut apporter, comment ça se passe. En fait, Yoni, Charlotte et Clément nous ont déjà un petit peu dressé le tableau, mais vous avez compris que la physiologie était quand même très très importante, très présente, et parce que c'est le fonctionnement de base et qu'il est important de comprendre ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'on y associe tout un volet sur la sémiologie, parce que la physiologie, c'est comprendre conceptuellement ce qui se passe à partir de données scientifiques, mais c'est un patient que vous voyez. Et ce patient, il faut pouvoir, à travers les signes ou les symptômes dont qui va manifester ou dont il va communiquer avec vous, il faut pouvoir les rattacher à des éléments de physiologie. Donc, cette sémiologie, elle est vraiment tout aussi importante que la physiologie. Et bien sûr, le troisième volet, c'est le traitement, hein. Comment est-ce qu'on peut intégrer la plante dans toute cette dynamique-là? Et c'est vrai que la plante médicinale, même s'il y a d'autres outils thérapeutiques, a vraiment une place très très importante parce que c'est, selon nous, l'outil physiologique, enfin l'outil thérapeutique le plus adapté à la physiologie. Alors, l'idée qui nous anime pendant ces cours, c'est avant tout la pédagogie. J'espère qu'on vous a donné un petit peu ce soir le goût de ça, en tout cas qu'on a illustré ce goût qu'on a pour la pédagogie. C'est pour ça que nous avons choisi de faire des cours en visuel live, c'est-à-dire non des formations qui ne sont pas préenregistrées, mais pour créer vraiment de l'interaction malgré la distance, créer des échanges en direct comme on a pu le faire là ce soir avec nos adhérents. Voilà, des interactions avec les formateurs, mais on a aussi des outils pédagogiques numériques, hein, qui sont nombreux et qu'on développe de plus en plus pour permettre à la fois un travail collaboratif, mais aussi vous permettre un travail individuel, parce qu'il y en a qui préfèrent travailler en groupe, d'autres qui préfèrent travailler en individu, on a tous des intelligences différentes. Donc, puis des quiz aussi pour rendre tout ça ludique, des ateliers de réflexion. Voilà, un certain nombre de choses, et puis aussi des outils d'auto-évaluation pour pouvoir mesurer un petit peu la progression. À ce propos, Charlotte, Clément, Yoni, justement, la formation à distance, tiens d'ailleurs, j'ai oublié un petit accent à A. Charlotte, tu l'as vécu comment la formation à distance? Parce qu'il y en a certains qui peuvent être rebutés par ça. Nous, je crois qu'elle s'est imposée en cours de route à cause du contexte. Hein, Oui. voilà. Bon, déjà, on était ravis de pouvoir continuer à faire la formation malgré le contexte. Franchement, je préfère les présentiels, ça c'est indéniable, mais je pense qu'on est tous un peu pareil, hein. Le lien et le contact humain entre nous, c'est quand même fondamental. Et du coup, les séminaires en présentiel sont vraiment hyper appréciés. Mais après, enfin, moi, j'ai un parcours d'enseignement aussi assez long. Voilà, j'étais jusqu'au clinica, etc., praticien. Donc, je suis épatée par vos compétences pédagogiques et le fait que vous ayez eu à maîtriser l'outil numérique comme ça en cours de route avec ces outils pédagogiques qui quand même dynamisent beaucoup les séminaires qui ont le mérite en effet d'être en live et qui bon, ramollissent un peu les échanges du fait de l'écran, c'est indéniable, hein, mais quand même, enfin, l'effort fourni pour maintenir une interactivité, une dynamique est assez épatant, je dois dire, et je vous en remercie encore, parce que je sais que c'est vraiment pas évident d'enseigner de façon dynamique et interactive. Donc voilà, moi je suis hyper satisfaite. Malgré tout, je crois qu'on est tous des médecins
et des responsables de famille. Donc, cette formation mixte en distanciel et en présentiel, moi, j'y ai trouvé quand même pas mal d'avantages quoi, dans l'organisation familiale. Voilà. L'idéal, ce serait un moitié-moitié, quoi. Mais bon, voilà. Merci. Merci Charlotte, tu as montré qu'on appliquait nos principes, hein, parce que la première chose à faire en endobiogénie, c'est de travailler sur l'adaptation. Et le contexte actuel nous a effectivement poussé à nous adapter et on est très heureux de voir que tu as apprécié et reconnu ce travail. Clément, ton sentiment ? Alors pour ma part, moi je n'ai pas connu de cours en présentiel, donc ça a été tout en e-learning. J'ai trouvé ça, moi, très pratique, dans le sens où ça, à la fois on peut être en présentiel pendant le séminaire, mais comme c'est rediffusé sur la plateforme, ça nous permet, par exemple si on a une indisponibilité sur un des trois jours de séminaire, on peut récupérer le séminaire qu'on a loupé, quoi. Donc c'est intéressant. Et au niveau de l'interaction, c'est vrai que c'est très pertinent. Par exemple, moi, la formation en nutrition que je suis, elle est en e-learning, mais elle est rediffusée. Donc, il n'y a pas d'interaction. Alors que là, en endobiogénie, il y a de l'interaction. Donc, c'est intéressant. On peut directement poser les questions. Il y a des activités, on va dire, ludiques en fin de chapitre pour voir si on a bien intégré. Donc, non, c'est très bien. Super, merci. Et Yonick, toi qui as vraiment commencé avec beaucoup de cours en présentiel et puis qui a, je pense, fini en distanciel, donc tu as vraiment une autre approche peut-être que Charlotte et Clément, peut-être que... Ouais, c'était... alors, effectivement, le présentiel reste ma préférence, forcément, mais c'est vrai que les cours en distanciel, on y trouve l'intérêt, effectivement, dans l'organisation familiale, mais aussi... je trouve que, effectivement, Charlotte le disait, vous avez fait un boulot, c'est fabuleux. Voilà, vous avez à surbondir. Votre syndrome général d'adaptation était vraiment, vraiment adapté. Et du coup, j'ai trouvé un intérêt franchement très intéressant. Surtout la possibilité de récupérer les cours derrière, ça c'est top, hein, parce qu'on peut pas toujours tout prendre d'un coup. J'avoue que je suis un peu de l'ancienne école, effectivement, quand on est en présentiel, j'ai une mémoire moi, qui fait que je capte mieux quand je suis, quand il y a du physique. J'ai trouvé que c'était très bien. La distance n'a pas altéré, en tout cas, la qualité des cours. Et chapeau, parce que vous avez réussi à garder de la vie dans vos cours alors que vous étiez à distance, et ça c'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Moi j'aurais été incapable de faire quelque chose de la sorte, quoi. Enfin, franchement chapeau, non, franchement c'était, et vous avez su utiliser ces outils qui m'étaient complètement inconnus, notamment toi Reda dans les brainstorming qu'on pouvait faire, c'était hyper vivant et concret, ce qui était vraiment top, quoi, par rapport à une formation effectivement préenregistrée qui aurait été monocorde. Non, c'est j'y ai trouvé un intérêt pédagogique important et une qualité surtout pédagogique indéniable, hein, vraiment top. Ouais, c'était vraiment très très bien. Bon. Merci. Si je puis me permettre, il y a de quoi faire rougir des universitaires, quoi, parce que pour en avoir croisé un paquet, je trouve que vous révolutionnez la pédagogie dans le domaine de la médecine et de la physiologie, qui est quand même une discipline lourde. Hein. Enfin, on a des souvenirs de P2 de deuxième année où, clairement, on décrochait au bout d'un quart d'heure. Là, moi, je suis épatée à chaque séminaire par le niveau de connaissances et de compétences médicales, mais aussi par votre amour et vos compétences dans la transmission de votre savoir. Sur cet aspect-là, je peux encore une fois que recommander cette formation. Merci, mais c'est vrai qu'on a aussi une équipe de direction qui est extrêmement dynamique et qui nous apporte toutes des dimensions qui sont non médicales et qui nous permet de nous former avec des non-médecins sur toute la pédagogie.
Donc voilà, c'est intégratif, les savoirs sont partout. Et je pense que quand tu dis Yoni, j'en serais pas capable, je pense que en travaillant et en se faisant aider comme on s'est fait aider, je pense que voilà, tous ceux qui ont l'amour de la transmission peuvent le faire. Ça demande effectivement du boulot. Mais on est content de vos retours, ça nous encourage à continuer. Et puis j'espère que les gens qui nous regardent ce soir pourront justement se faire une idée là-dessus. Je vais accélérer un petit peu pour que on se voit quand même dans les temps. Simplement, bah voilà, comme tu as pu le dire, Charlotte, ou même Yoni, ou même Clément, vous avez pu assister à des formations, de nombreuses formations. Et c'est vrai que l'idée là qu'on veut apporter par rapport à d'autres choses qu'on a pu déjà faire, c'est qu'on est confronté souvent à une profusion d'informations et qu'il est complexe parfois d'utiliser les connaissances à bon escient. Et nous, notre finalité, c'est quand même de permettre d'améliorer la compréhension du vivant, d'enrichir la pratique avec une vision intégrative et de faire des liens, hein, de créer du lien. On parlait du lien tout à l'heure, donc c'est des choses qui reviennent. On n'a pas répété en avance, hein. Franchement, on ne savait pas ce que vous alliez nous dire ce soir, donc c'est bien que les éléments soient là. Potentialiser les performances de la pratique, voilà, c'est tout ça. Et comme le disait Jean-Christophe et comme le disait Charlotte, hein, c'est vraiment donner du sens. En tout cas, c'est notre finalité à travers cette formation, c'est ça qui nous anime. Et une autre chose qui nous anime et qui nous paraît très importante, c'est pour ça qu'on a ouvert à plusieurs professionnels de santé, parce que vous l'avez vu ce soir avec les différents intervenants, c'est que on a tous à gagner à s'enrichir des savoirs des autres. Et il faut ouvrir, il faut de la compétence, mais il faut surtout de l'échange et donc créer du réseau avec d'autres professionnels de santé pour justement une complémentarité des soins, parce que le patient s'aborde de plein de façons différentes et il n'y a pas de raison qu'il y ait une profession qui est le savoir et pas les autres. Je veux dire, on se complète. C'est pour ça qu'on a ouvert justement aux professionnels du bien-être, parce que c'est encore une autre dimension pour la santé du patient et pour son état d'équilibre. Et donc les professionnels du bien-être, il y a une formation qui vient d'être ouverte, on est au premier cycle et puis ça va continuer parce que vraiment les retours sont très très bons. Nous n'avons pas la chance ce soir d'en avoir parce qu'ils sont vraiment en cours tout début de formation, donc c'était peut-être un petit peu trop tôt de recueillir leurs témoignages, mais sur un prochain webinaire comme ça, je pense qu'on fera appel à un professionnel du bien-être formé. Et pour finir, donc c'est en direct, c'est live, c'est des vrais gens, hein, qui sont derrière et qui sont en interaction. Et voilà, on aime le dynamisme, la bienveillance, l'enthousiasme. On est tous curieux, on a une exigence scientifique. Donc voilà l'équipe qui s'est enrichie récemment et qui sera là pour vous accueillir, pour avancer dans cette aventure de l'endobiogénie. Voilà. Donc, si c'était à refaire, Clément, Yoni, Charlotte, je pense connaître votre réponse. Ah bah oui, mille fois. Ah oui. 100 000 fois. Ça fait très pub, mais voilà. C'est pas facile. Il faut s'accrocher. Le cœur de la chandelle. Super. Il y a du travail, un investissement personnel qui est important, mais ouais, le jeu en vaut la chandelle. Vraiment. Merci. Maya. Oui, merci à tous déjà pour vos témoignages. Et effectivement, il n'y a pas eu de répétition avant, donc ça fait chaud au cœur de vous entendre avec effectivement tout l'investissement et le travail de l'équipe qui a été très très important dans ces dernières périodes où l'adaptation a été vraiment le maître mot. Alors l'offre de service effectivement rapidement de l'Institut, donc effectivement l'Institut, on est un organisme de formation, mais quand vous rentrez en tant que professionnel dans un cursus, vous devenez adhérent. Les adhérents professionnels de l'Institut d'endobiogénie sont forcément soit stagiaires d'une formation, soit en ont déjà suivi une. L'objectif de l'Institut, ce n'est pas simplement de former effectivement des personnes, c'est effectivement, encore une fois, de créer un réseau, de créer une communauté et de continuer, une fois qu'on est formé, à se perfectionner, à échanger.
Donc, dans ce cadre-là, on organise en parallèle des formations, des temps de perfectionnement avec des webinaires d'information, des webinaires de formation complémentaire également. On a notamment pour les médecins des temps de doc en ligne avec des présentations de cas cliniques et des médecins qui sont tutorés par d'autres médecins de l'équipe pédagogique. On a des webinaires transversaux également sur, par exemple, la cicatrisation des plaies, la gémothérapie, des sujets qui vont être plus transversaux et qui vont intéresser l'ensemble des professionnels. Les rencontres de l'endobiogénie, puisque se voir, le lien humain, c'est aussi le fondement quand même de l'endobiogénie. On est quand même sur une approche empirique, clinique au départ. Donc se voir, c'est important. Et donc deux fois par an, on organise ces temps de rencontres en présentiel uniquement, mais avec un prisme endobiogénique. Donc ce sont des temps uniquement réservés à nos adhérents professionnels. Et donc, par exemple, les prochaines se dérouleront à Paris au mois de décembre sur le thème de l'alimentation. Une plateforme pour échanger. Effectivement, on a continué à se professionnaliser avec toute l'équipe et donc maintenant, on a tous nos adhérents ont un identifiant pour accéder à une plateforme professionnelle qui leur permet de retrouver tout leur parcours de formation. Tout leur parcours est disponible. Tous les webinaires qui complètent les parcours sont également disponibles sur cette plateforme. Et elle permet également d'échanger avec une communauté, soit avec effectivement sa promo de formation. On peut échanger entre nous sur ce qui convient, ce qui convient moins, où est-ce qu'on rencontre des difficultés, se passer quelques astuces, mais aussi avec la communauté géographique dans laquelle on est situé. On a divisé la France en 5 grandes parties et en fonction du secteur géographique où on se situe, on peut échanger avec les autres professionnels adhérents de son secteur, ce qui permet de communiquer sur une initiative locale, sur des actions qu'on souhaite mener et puis de travailler en logique pluridisciplinaire et géographique et territoriale également. Voilà, et puis en tant qu'adhérent, vous aurez également le plaisir de recevoir une newsletter tous les 2 mois avec un article rédigé en général par un membre de l'équipe et puis plein de petites actualités sur ce que propose l'Institut au fil de l'eau. Voilà, pour faire court, et j'essaye de tenir aussi le temps. Vous avez sous les yeux un tableau qui résume un petit peu les formations que l'on propose. Donc, les 4 formations que j'exposais en introduction en fonction des typologies de public, puisque chaque public a ses propres prérequis, a ses propres besoins. Donc, il y a une formation dédiée vraiment aux médecins, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires. On a 2 vétérinaires actuellement avec nous, là, sur le cycle actuel. Cette formation pour les médecins, pharmaciens, sages-femmes, elle se divise en 2 niveaux. Un premier niveau qui fait 77 heures et qui va démarrer au mois de janvier pour se terminer au mois de juin. Et un second niveau qui fait 84 heures. Donc sur le premier niveau, vous allez travailler vraiment sur les 3 premières marches de l'escalier que présentait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge du patient au plan du symptôme, du drainage et du système neurovégétatif. Dans le deuxième niveau, vous serez vraiment sur la partie endocrinienne. Ce que je peux vous dire également donc sur cette formation, donc on est sur un tarif de 2 600 €. Alors, donnez-moi 2 petites secondes, je reviens tout de suite. J'ouvre une porte. Ça, c'est le chat, ça, sûrement. On est vraiment en live, hein, ce soir. Donc, sur cette formation, on est effectivement sur la possibilité pour la prochaine promotion de bénéficier d'une bourse qui finance à 60% le coût de la formation. Alors, quand je parle de la formation médecin, c'est le niveau 1 et le niveau 2. Pour pouvoir bénéficier de cette bourse qui s'adresse uniquement aux médecins thésés depuis moins de 5 ans, je vous invite à nous adresser un CV et puis une lettre de motivation. Et sur sélection, vous pourrez peut-être en bénéficier. Je vous ai remis du coup les dates des classes virtuelles, hein, puisqu'on n'est pas sur de la formation e-learning, on est vraiment sur de la formation
présentiel distanciel. Et je vous ai remis également la date du séminaire présentiel qui se tiendra à La Rochelle au mois de juin. Pour pouvoir accéder au niveau 2, il faut valider une évaluation qui, elle, se tiendra en ligne le 8 septembre. Pour la partie chirurgien dentiste et paramédico-ostéopathe, on est sur une formation qui est plus courte, qui fait 48 heures, qui va débuter au mois de janvier également. Là, on est uniquement sur un format classe virtuelle avec 12 après-midi de 4 heures de formation. Là aussi, vous avez les dates qui sont mentionnées. Et là aussi, pour ces deux formations, ça va faire l'objet d'une évaluation finale, puisque tous les professionnels qui valident l'enseignement pourront avoir leurs coordonnées qui figurent sur un annuaire en ligne qui est diffusé sur le site de l'IUMPI et qui permet aux patients qui sont en recherche de médecins, de professionnels formés à l'endobiogénie, d'accéder à vos coordonnées. Donc sur ces deux formations, sur ces trois formations, même sur la formation bien-être, on est sur un tarif de 1 550 € pour les professionnels et de 1 250 € pour les étudiants, avec une adhésion à l'IUMPI de 70 € par an, puisque par définition, une association ne peut rendre de service qu'à ses adhérents. L'adhésion est donc incontournable. La quatrième formation que l'on vient donc d'ouvrir, on en parlait tout à l'heure, c'est cette formation en direction des professionnels du bien-être. On avait beaucoup de demandes de professionnels naturopathes, sophrologues, réflexologues qui souhaitaient également bénéficier de l'enseignement. Donc on a fait un gros travail également d'écriture avec l'équipe en fonction des prérequis et de cette typologie de public pour proposer effectivement une formation donc qui a débuté récemment. Donc le prochain cycle, ce sera à partir de février. Et là aussi, on est sur un format classe virtuelle. Pour plus d'infos, vous avez toutes les informations en bas. Vous avez le site internet avec toutes les informations que je viens de vous donner et la possibilité de vous préinscrire en ligne. Voilà. Et je rajouterai, Maya, que pour toutes les personnes qui sont formées, on organise les journées de l'endobiogénie où là, on se retrouve en présentiel et tous les corps de métier formés pourront se rencontrer. En vrai, donc ceux qui ont une formation qui n'est qu'en distanciel auront la possibilité par la suite d'accéder à du présentiel pour parfaire leur formation et faire du lien avec leurs homologues endobiogénistes, quelle que soit leur spécificité. Tu fais bien de le préciser, effectivement. C'est vrai que ces temps de rencontre, ils sont importants pour se perfectionner, mais ils sont importants également en termes de réseau. Et puis on fait le constat quand même tous les jours voilà, que chaque professionnel est quand même très seul, hein, surtout en libéral dans son cabinet, donc ça fait du bien effectivement d'avoir ces temps de présentiel pour pouvoir échanger et bénéficier de tout le côté off qu'on n'a pas quand on est en ligne, hein, les pauses café, les discussions, etc. c'est ce qui fait du bien aussi, hein, sur ces temps là Alors, y a-t-il des questions, Maya? Je vous propose effectivement de poser vos questions. J'avais quelques questions tout à l'heure sur notamment les logiques de financement. Est-ce que je peux bénéficier de mon compte CPF pour pouvoir suivre une formation? Il faut savoir que l'Institut d'endobiogénie donc, est organisme de formation, est déclaré et certifié. Cependant, aujourd'hui, sur le compte le CPF, pour pouvoir le mobiliser, il est mobilisable uniquement sur des formations certifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, ce qui n'était pas le cas du DIF, hein, de l'ancienne version avant. Donc nos formations aujourd'hui ne sont pas inscrites au RNCP, elles ne sont pas diplômantes et donc de ce fait le compte CPF ne sera pas mobilisable pour financer nos formations. En revanche, sur d'autres possibilités, notamment sur des prises en charge par les opérateurs de compétences, hein, les OPCO, on va dire théoriquement, la formation est éligible à la prise en charge. Après, chaque OPCO a son propre fonctionnement, a ses propres critères d'éligibilité des formations en termes de prise en charge.
Donc, lorsque vous vous préinscrivez en ligne à nos formations, ça déclenche du côté de l'Institut l'envoi d'un contrat de formation avec un devis, avec un programme, avec des conditions générales de vente. Et ce sont ces documents-là qui vous sont demandés par les OPCO pour instruire un dossier de prise en charge. Donc, en tout cas, je vous invite à vous préinscrire. Ça ne vous engage à rien et ça vous permet d'enclencher les démarches du côté de votre opérateur de compétences pour éventuellement obtenir une prise en charge. Sur les autres questions, Clément y a répondu tout à l'heure à travers son intervention. Que faire si j'ai déjà des engagements sur une ou deux sessions? À travers la plateforme de formation dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez pouvoir, avec cet outil, venir vous connecter aux classes virtuelles. Vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des cours. Et vous avez également accès au replay ou au podcast des formations. Alors, nos formations ne sont pas construites pour être suivies en e-learning. C'est-à-dire que vraiment, je déconseille vivement une personne de s'inscrire pour suivre la totalité de l'enseignement en e-learning. Si vous ne pouvez pas faire autrement, ben voilà. Mais nos formations ne sont pas construites comme ça. Elles sont construites pour être animées en présentiel, avec beaucoup de temps d'interaction, de jeux, d'outils d'ancrage, d'échange et de partage avec le groupe, du travail en sous-groupe. Donc, si vous avez un impératif, et on en a tous, hein, professionnel, personnel, vous savez que vous pouvez tout à fait revoir le podcast ou le replay et les cours manqués. Mais je vous invite à le faire le moins souvent possible pour mettre vraiment à profit l'enseignement. En même temps, on a eu des élèves qui étaient en Nouvelle-Calédonie, je crois, et qui ont pu suivre les cours. Parfois, c'était difficile pour eux d'être réveillés toute la nuit. Donc, ça leur a quand même permis de se former. Et donc, grâce à cette formation distancielle, on a formé aussi des Canadiens et on s'ouvre sur tout le monde francophone. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Sur la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que c'était vraiment trop dur. Les formations sont souvent l'après-midi, il y a quand même le décalage. Donc, les personnes, on a eu deux personnes qui ont suivi la formation essentiellement en e-learning. Mais c'est vrai que nos formations sont l'après-midi pour pouvoir rattraper le décalage horaire et avoir nos amis canadiens avec nous et québécois avec nous en live, en présentiel, sur les temps de formation. Voilà. Mais c'est vrai que ce format classe virtuelle a permis de nous ouvrir beaucoup sur l'étranger, sur l'international. Tout à fait. Je regarde les questions. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas à nos intervenants. Ou... Voilà, sachez qu'il y a tout un tas de livres, hein, qui ont été écrits sur... soit par nos adhérents ou nos formateurs et tout un tas de références scientifiques aussi. Donc, il y a matière. Là, on vous en a mis quelques-uns, mais sur le site de l'UMPI, hein, vous pouvez trouver beaucoup de références et d'articles qui ont été publiés en ce sens. Bien. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup à nos trois professionnels d'être venus témoigner de votre expérience, de votre vécu. En tout cas, nous, on est très contents de ce retour au niveau de l'équipe. Merci à Reda et Jean-Christophe pour cette présentation. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt à nos côtés pour les prochaines formations qui débutent au mois de janvier. On vous attend nombreux et nombreuses. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.